qu'est-ce qui m'attirait chez Mossan, qui semblait si impudique, si insolente, si joueuse, si farouche, tout ce que je n'étais pas? Il ne s'agissait pas d'une banale attraction pour une nature que je pensais opposée à la mienne. Chez Mossan, ce que j'ai d'abord aimé, c'est ce qu'elle ne paraissait pas. C'est ce que je l'imaginais être derrière. Je suis peut-être tombé amoureux de l'idée que je me faisais d'elle. Mais n'est-ce pas de ça, souvent, qu'on tombe amoureux chez les autres? On les connaît ensuite. Et alors, soit l'idée qu'on se faisait d'eux ou d'elle est juste, et on les aime plus encore de lui correspondre, soit cette idée est différente. Et notre amour se nourrit d'être surpris, mis au défi de l'étrangeté.